Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au Stade Tondreau pour une nouvelle rencontre de football ici à Mons. Mons qui reçoit le RFC Tournai, les Montois qui la semaine passée en s'imposant 4-0 face à Manage, l'ancien leader, sont donc passés premiers de cette D3 à CFF. L'objectif des Montois c'est de le rester évidemment jusque la fin de saison. Ça passera par une victoire ce soir. On voit tout de suite ce que ça donne en image avec Johan Brouet. Le franc qui rentre dans le jeu, le franc qui frappe avec un premier ballon qui est sorti par la défense, première occasion. Après 30 secondes de jeu, cette incursion de Lefranc. 6 minutes de jeu, Cardon ou Koumbi derrière cette balle, c'est Cardon, c'est le poteau. Attention, deuxième zone, la reprise du 22 El Bouabi. Pour le Kéal qui tente de dévier, c'était vu par Dupire. Lefranc dans la profondeur, Koumbi va pouvoir partir face à Yacquinto, voilà le premier but. Koumbi, Jérémy Koumbi qui vient faire 1-0 sur ce superbe ballon en profondeur de Lefranc. Et puis là, alors la frappe croisée ne laisse aucune chance à Antoine Gianquinto. 1-0 pour les Montois à la 25e minute de jeu. Et bien Mons pousse depuis la première minute et est récompensé avec ce premier goal de Jérémy Koumbi sur ce ballon de Destrin. Destrin encore qui frappe. Et c'est la première frappe cadrée de tournée. Après 28 minutes de jeu, c'est pas dangereux du tout pour Kevin De Wolf. El Bouabi qui a changé avec Lefranc. Durieux, Cardon va pouvoir frapper. Cardon la frappe, les deux points de Gianquinto et Koumbi est pas loin de ce ballon. Ouais, ça va être terminé. Et bien encore un arrêt du gardien tournésien à la toute fin de cette première période. Pereira, l'appel de Durieux, le ballon va être un peu long. Récupéré par Nathan Durieux. 3 contre 2 à jouer, Koumbi encore jusque Cardon qui ne peut pas louper. Cardon qui marque. Et 2-0 sur la première vraie possibilité de cette deuxième période. Le serial buteur maison David Cardon fait 2-0 à la 54e minute de jeu. Et le jusqu'au boutisme de Nathan Durieux. Et puis à 3 contre 2, on joue bien le coup. Et ça Nathan Cardon. Et ça David Cardon, pardon, face au but, face au gardien, il ne loupe pas. 2-0 au meilleur moment pour Mons. Pereira avec Lefranc. Il met dans la boîte le ballon qui arrive sur une tête et voilà celle de Da Silva. Et c'est 3-0 pour l'Albert alors qu'il y a un hors-jeu signalé. Ah, je me suis un peu emballé trop vite comme les supporters. Hors-jeu signalé sur cette action. 66 minutes de jeu. Mons pousse pour faire 3-0 mais Tournai peut peut-être réduire le score sur ce ballon. Alors que l'on arrête le jeu, il y a une main je pense. Ah bah, c'est pénalty en fait. C'est pénalty, une main montoise. Ah, moment d'incompréhension. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, mais voilà. On parlait de revenir au score, mais voilà l'occasion pour tourner. Alors, Belia face à De Wolf pour faire 2-1. Belia, c'est loupé. Oui, comme ce pénalty finalement, il est venu un peu de nulle part. Et bien, cette frappe de Belia, c'est complètement loupé. Et ça ne relancera pas le match. Ça reste 2-0 pour Mons à la 67e minute de jeu. Calon dans son dos. Il résiste à la puissance de Calon. Cordaro revient vers Cardon. C'est dévié, c'est goal. Et bien voilà, 3-0, doublé pour David Cardon. Assist de Cordaro quelques minutes après son entrée en jeu. Ça ressemble clairement à la soirée parfaite pour les RAEC Mons, ce match face à Tournai. Et cette frappe de Cardon, je ne sais pas si elle allait directement dedans, si elle n'est pas déviée, mais on va lui attribuer 3-0 à la 78e minute de jeu. Mons va s'imposer facilement contre Tournai. Petit relais avec Pereira. Durieux qui emmène Wildemersch. Bon ballon Pereira pour le quatrième peut-être. Pereira avec un ballon vers Wildemersch. Le 4-0. Et bien voilà, 88e minute de jeu. 4-0 par Thomas Wildemersch qui vient de monter au jeu il y a 5 minutes. Et bien comme la semaine passée, Mons terrasse son adversaire. C'est le mot 4-0 contre Tournai après 4-0 contre Manage. Donc ici encore, bon, c'est intraitable ici au Tondreau et ça se conclut donc par un but de Thomas Wildemersch. Super victoire des Montois. Encore une victoire 4-0, vous allez habituer le public à des belles victoires. Hein. Ouais, je pense que c'est ce que le coach demande de mettre un maximum d'intensité. Et quand on met l'intensité après devant ça suit, on a l'efficacité. Et derrière, on essaie de ne pas prendre de but, ce que le coach nous demande et je pense qu'on l'a bien appliqué aujourd'hui. Ouais, face à une équipe de Tournai bon, qui n'était pas dans des meilleures conditions pour jouer un gros match, mais il a fallu faire le boulot quand même. Ouais, c'est ça, on sait que Tournai a eu une semaine agitée comme avec un changement d'entraîneur, mais on sait qu'une bête blessée bah, peut faire mal et
ils sont pas venus ici comme ça, ils ont donné le maximum et je pense qu'on a bien réagi.